Question, est-ce que t'es plutôt team Inès ou Natacha Saint-Pierre? Vous avez tous entendu parler de cette polémique et sur les réseaux et partout, on entend parler de cette polémique entre Inès et Natacha Saint-Pierre. Et j'ai envie de décrypter ce qui vient de se passer en 4 points et les 4 raisons qui fait que beaucoup de gens sont intéressés par ça. La première chose, c'est la curiosité humaine. Les êtres humains sont naturellement curieux. Ils aiment être informés sur ce qui se passe autour d'eux. La deuxième, c'est le biais de négativité. Les recherches psychologiques ont montré qu'il existe des biais de négativité. C'est-à-dire que des événements négatifs génèrent un impact plus fort sur les émotions. Forcément, c'est pour ça que dans les médias, on parle plus du négatif que du positif. La troisième chose, c'est que en fait, dans un contexte où l'intention est devenue une ressource précieuse, les médias ont souvent tendance à privilégier les informations négative car elle suscite plus d'engagement. Et la dernière chose, bien sûr, cette polémique vient renforcer nos croyances. Certains vont dire vont prendre parti pour telle ou telle personne uniquement en fonction de leurs croyances. Dis-moi en commentaire si tu as entendu parler de cette polémique et qu'est-ce que tu en penses.